Les matchs qui suivent autorisent la barre et la difficulté des chansons progresse au fil de la journée. Chaque joueur choisit une chanson et joue en deux matchs gagnants. Et derrière l'apparence un tantinet geek de certains, ce sont souvent des adversaires redoutables qui se cachent. Plusieurs scores ex aequo tombent, chose extrêmement rare dans ce jeu, ou encore des joueurs qui ne font presque jamais de score en dessous de 98% de précision. À ce niveau du jeu, tous les joueurs utilisent des speed modes. Ce sont des options autorisées par le règlement qui accélèrent la vitesse des flèches pour leur permettre une meilleure lisibilité. Et alors qu'un joueur débutant peinera à lire du 200 BPM, certains joueurs experts jouent ici à plus de 550 BPM et quelques furieux arrivent à pousser jusqu'à 750. Ici, Mr. Jackal réussit à battre Cedar, le favori du tournoi, à un excellent près sur une chanson de difficulté 10. Visiblement agacé, Cedar choisit à son tour Summer Speedy Mix, qui est une level 13, une des chansons les plus difficiles. À 58%, victoire méritée pour Cedar. On peut aussi noter des techniques de fourbe qui font appel au duel d'endurance physique. Dans le cas présent, le joueur choisit Pandemonium, une chanson très physique, juste pour épuiser son adversaire. Quand ce dernier abandonne, il reste juste 3 secondes de plus pour élever son score et abandonne à son tour. In the Groove est un jeu demandant plusieurs critères pour se démarquer et la condition physique est aussi importante que la précision et la concentration. Petite pause du côté des hommes pour commencer le tournoi féminin. Même si le nombre de participantes était très restreint, il y avait quand même un minimum de niveau. Certes, pas aussi élevé que pour les hommes, mais certaines auraient pu largement rivaliser dans le tournoi masculin. Sont également très serrés et Timmy, la seule joueuse française, s'est plutôt bien défendue. Et ce, malgré un tapis défaillant sur un match qui a été réparé immédiatement après vérification, puis remporté par elle. Retour du côté des hommes, plus de français à ce stade, le niveau commence à devenir sérieusement flippant. Toutes les chansons de niveau 12 et 13 tombent plusieurs fois et le public assiste à de vrais super plays en live. Plus aucun score en dessous de 95%, des rushs à 2000 BPM, les pieds des joueurs passent en mode mitraillette et certaines performances sont juste incroyables, à l'image de ce dernier passage de mythologie extrêmement technique, réalisé en full fantastique par Cedar. Vient le moment alors très attendu des finales, masculines et féminines, en mode single. Les participantes encore en compétition s'appellent Estsung, Lauma et Nia, la championne du monde 2006. Lors de la demi-finale entre Estsung et Nia, une égalité a lieu sur la technique One False Move, qui demande l'utilisation des pieds et des mains en raison des enchaînements de triples et de quadruples.
et c'est finalement Estsung qui réussit à remporter le match suivant sur Charline contre Nia, gagnant ainsi sa place en finale contre la redoutable Lauma. La finale a lieu sur Vertex, une level 12 avec des changements de vitesse en permanence. On peut remarquer la différence de technique entre les deux joueuses. Lauma jouant en flat foot, optimisant au maximum ses mouvements. Estsung, à l'inverse, utilise une technique plus déstructurée et joue la plupart du temps sans barre. Elle ne va pas passer la première chanson et va également se faire battre sur Queen of Light, une chanson truffée de pièges nécessitant des mouvements très spéciaux. Lauma s'impose donc largement pour ce tournoi single et décroche le titre de numéro 1 européenne. Pour les hommes, les finales s'annoncent plus physiques.